Je vais vous dire maintenant quelques mots au sujet d'une expédition de terrain chez les Indiens Kuchin dans le nord du Yukon. Il s'appelait exactement Vunta Kuchin, société matrilinéaire, chasseur-cueilleur, plutôt pêcheur. On oublie toujours que les gens vivaient sur toute la pêche dans le nord canadien. Kuchin était une tribu matrilinaire, très fortement influencée par les Indiens de la côte ouest, qui, dans les tribus du nord de la côte ouest, étaient matrilinaires également, qui les diffusions de la matrilinéalité vers le nord et le centre du Canada. C'est le ministère des Affaires indiennes à Ottawa qui m'avait demandé de faire cette recherche, de mener cette enquête. Je suis allé, c'est très différent des Esquimaux. Les Esquimaux sont à quelques pas de là, sur l'île Herschel, et le long de la côte arctique, très près, mais communique très peu avec les Indiens. Ils communiquent très peu, les Esquimaux et les Indiens de la région. Il y avait les Kuchin dépendaient surtout d'un gros troupeau de caribou, à peu près 25 000 bêtes dans le troupeau, qui faisaient la migration entre la côte arctique et les régions sud du Yukon et nord de la Colombie-Britannique. Ils pouvaient donc chasser à volonté. Ils pêchaient beaucoup de poissons, surtout du saumon. Et il y en avait du saumon en quantité pratiquement infinie. Le village de Old Crow, que j'avais étudié, où j'étais installé, il est sur est installé sur la rivière Porquépic. Si je me souviens bien. Les Indiens vivaient dans des cabanes en bois qu'ils avaient construites eux-mêmes. Ils avaient tout plein de bois pour se chauffer. Il y avait la forêt là-bas. Ils pêchaient le saumon devant leur porte, la porte de la cabane. Ils jetaient un filet et ramassaient du poisson. Ils chassaient le caribou. Et ils chassaient aussi le rat musqué, mangeaient le rat musqué, qu'on trouvait en grande abondance, de même que des oiseaux migrateurs. Beaucoup. Bref, une région très riche en nourriture pour les Indiens. Très, très riche. Et vers la fin du 19e siècle, ils s'étaient convertis à l'église anglicane, évidemment. Ils parlaient très bon anglais. Commençaient à perdre l'usage de la langue Kuchin. Il y avait une école là sur place. Il y avait un magasin, même deux,
Il y avait un détachement de la police montée avec deux policiers. C'était une communauté complète. Le gouvernement leur avait fourni tous les services fondamentaux, comme hôpital, médical, et école, etc. Mais j'étais très content d'être là parce que il parlait facilement, il parlait beaucoup, il parlait très ouvertement. Je n'ai jamais eu autant de facilité à ramasser du matériel ethnographique comme chez eux. Dès qu'ils me voyaient venir, ils passaient leur journée dehors au soleil. Dès qu'ils me voyaient venir, de loin, ils me saluaient en ami. Et on était très copains. J'ai passé 3 mois là-bas, travaillant de manière intense et avec joie. J'ai publié un volume et Wunta Kuchin Social Change, comme il s'appelle. Mais j'ai surtout publié un article qui a été très lu aux États-Unis. Très. Notre directeur actuel du département d'anthropologie à l'U2M. Comment il s'appelle, Il y en a eu plusieurs, là. Il y a eu Bibo, Bernier... Non, non, après Bibo, le, actuellement. Peut-être Bernard Bernier. Après Bernard Bernier, maintenant, aujourd'hui, ça ne fait rien. Lui, il avait fait ses études à Toronto, où on travaillait sérieusement sur cet article en question, qui a été publié dans Human Organization, et je ne sais pas comment il s'appelait, mais où j'avais plus ou moins décrit et la matrilinéalité de ces Indiens-là, qui pratiquaient toujours le potlatch. Ils étaient potlatcheurs. Ils biberonnaient pas mal. Et ils chassaient bien. Il y avait des ours. Ils chassaient beaucoup l'ours. Le potlatch, évidemment, il était monté par rapport à la filiation matrilinéaire et mariage aussi. Ils étaient exogames par rapport au clan matrilinéaire. Il y en avait 2,5 clans, si j'ai bonne mémoire. Il faudrait que je relise, mais je n'ai pas mon article. Je me promenais un jour à San Francisco. Je voyageais dans le tram, le fameux tram qui grimpe les collines de la ville. Et sont venus s'asseoir à côté de moi 2 garçonnets d'une dizaine d'années. Et ils parlaient avec beaucoup d'animation. Ils parlaient de Itimangniak et des films Netsilik sur les Esquimaux Netsilik que nous avons réalisés dans le temps et qui étaient distribués dans les écoles américaines.
je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais fait bonne œuvre. Les films étaient largement distribués. Ils faisaient partie d'un programme scolaire, d'un programme d'enseignement. Et les jeunes garçons de San Francisco même connaissaient les acteurs principaux du matériel filmé. J'ai compris à ce moment-là que on agit très très bien avec la réalisation de cette série filmée, malgré les critiques de gauche et de droite que j'entendais. Le grand réalisateur français, Jean Rouch, était résolument contre ces films et il a publié des commentaires très durs à leur égard. Il disait qu'il n'aurait jamais dû être fait. Leur existence même est inutile. Là, tant d'années après, je me rends compte que Rouch n'avait pas raison. Les films, dans leur version originale, montés évidemment et distribués, passent à la télévision assez souvent. La dernière fois que j'ai fait enquête auprès du comptable de l'ONF à Montréal, il y a eu plus de 200 représentations télévisées dans le monde entier. C'est un succès. Moi, j'avais très très peur que les Nitziliks allaient disparaître un jour, englouti par la civilisation moderne. On les a filmés pendant le dernier moment de leur existence traditionnelle. Margaret Mead, qui a écrit la préface de mon livre, disait à son auditoire, les Esquimaux Nitziliks continuent à vivre sur cet écran. Et il pointait l'écran de la classe d'anthropologie à l'Université Columbia. Il y a eu plusieurs versions différentes de ce film. La version originale est en langue inuite. Il n'y a pas de traduction française ou anglaise. Là, il y a des versions sous-titrées qui ont apparu. Il y a eu même une version de la série entière, mais refaite pour un public très jeune, disons des enfants de 10-12 ans, avec musique. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent des images de notre série pour enrichir leur logo, leur matériel publicitaire. N'empêche que la version originale
sans sous-titres, continue à être distribué avec succès. Et la raison est que tout le monde arrive à comprendre ce qui se passe sur l'écran sans explication supplémentaire. Il peut être montré en Russie, en Afrique, dans le sud asiatique, n'importe où, et le public arrivera à comprendre l'essentiel de l'action. Donc je peux dire que aujourd'hui, à ma retraite, je suis très fier d'avoir contribué dans le temps à la réalisation de cette œuvre. J'espère que vous aussi, vous allez apprécier la qualité et surtout la vérité contenue dans le film. Merci.